Et Gounon, bonjour, Patrick Marie en direct du Port-Vieux à Biarritz pour la deuxième fois en deux ans, parce que oui, en deuxième, pas que je viens au Port-Vieux, mais que j'assiste à un événement qui est, on va dire, exceptionnel. C'est la première fois qu'il se déroule à Biarritz, la deuxième fois qu'il se déroule à Biarritz. C'est Grand Bretons Ensemble. Sans attendre, je vous passe le micro à Mélissa, qui est la présidente et l'organisatrice de ce festival. Mais elle va vous expliquer qu'elle n'est pas seule et qui va se passer de plein de petites choses sympas. Merci. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, Mélissa Gary, présidente de la compagnie Théâtrons Ensemble. C'est notre compagnie qui a organisé ce festival. C'est la seconde édition. Nous sommes une trentaine de bénévoles pour cette journée du 2 juin qui va permettre de mettre à l'honneur le port de pêcheurs de Biarritz ainsi que ses crampottes. Via différentes animations, 8 scénettes de théâtre qui vont retracer l'histoire de Biarritz, ainsi que des ateliers, théâtre, chocolat, une initiation à la danse historique. On a aussi le comité Côte Basque Sauvetage Côtier qui est là aujourd'hui, et Maria Pia. Enfin, on a une trentaine de bénévoles, donc vraiment bravo à tous. Et sans plus attendre, je vais vous passer les comédiens de l'une des scénettes qui s'appelle Ton Pécétas. Oui, sacré comédien. Je viens d'assister à une représentation face à la mer avec un petit décor là, sympa, le bateau. Et j'ai oublié de dire que nous sommes le dimanche 2 juin. Hein, c'est aujourd'hui qu'il faut venir à Crampotin Ensemble. Et jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h. Alors. Et bonjour. Monsieur en cravate. Alors, qui êtes-vous ? Monsieur en cravate, c'est l'agent Payot dans la scénette. C'est une petite scénette sur une anecdote du port de Biarritz qui a été écrite par l'excellent Pierre Bordet, que voilà, qui écrit très bien, miraculeusement. On n'y croyait pas. Avec le béret, la magnifique tenue. Mais c'est une très jolie scène. Et voilà, je ne veux pas faire plus long, je vous passe le brigadier chef, monsieur Leroux, Benjamin de son prénom. Oui, merci à Jean Payot. J'ai enlevé la tenue parce qu'il fait vraiment trop chaud. Donc voilà, Benjamin Leroux, ça fait une dizaine d'années que je fais du théâtre et c'est la première année que j'en fais pour le festival et je suis vraiment ravi. Voilà. Bon, moi aussi je joue une scénette qui n'a rien à voir avec la leur. Moi j'ai fait un poème écrit par mon père sur la devise de Biarritz, Aura Sidus Maria Adjuvant Me. Donc voilà. Alors, je suis Maïté. La fiancée de Payot dans Ton Pécétas. Sinon, je m'appelle Christine Esburger. Je suis de Bordeaux, comédienne dans une troupe bordelaise. Et je connais Sandrine depuis quelques années et j'ai eu un énorme plaisir à participer à ce festival avec mes compères. Je vous passe Pierre. L'auteur. Eh oui, Pierre Bordet, un baïonnais à Biarritz. On aime bien Biarritz, on peut dire. Moi, j'ai écrit cette piécette, comme on a demandé, et je prends beaucoup de plaisir. Elle est mise en relief par les comédiens qui sont avec moi, les talents innés, avec ma sœur Maïté. On se régale, on se fait plaisir, on s'amuse, et c'est le principal. Alors venez nous rejoindre au port des pêcheurs. Nana. Voilà, merci à vous tous. Donc vous rejouez toutes les heures, c'est ça ? Toutes les heures, à écart. Jusqu'à 18h où tous les groupes joueront en même temps sur la place ici. Donc dernier rendez-vous à 18h pour une heure de plaisir. Oh, bah, très bien, en tout cas suivez cette troupe magnifique. Allez, venez au port des pêcheurs de Biarritz. Il fait super beau en plus, une chance énorme. Ouais. Voilà, et puis suivez-nous sur radiobiarritz.fr là, toute la journée. Il va y avoir des petits Insta, des moments sympas sur les réseaux. Puis d'autres photos, parce que je vais aller rejoindre la Victor Hugo. Hein, sur une crampotte, là, c'est très beau là-haut aussi. Allez, merci messieurs, dames. Merci à toi.